Moïse remonte sur le Sinaï selon la parole du Seigneur. Il le supplie de pardonner au peuple. Alors le Seigneur lui dit: Taille deux tablettes de pierre comme celles que tu as cassées. Tu monteras sur le mont Sinaï. J'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur les premières tablettes. Tu monteras tout seul. Personne ne doit monter sur toute la montagne. Et aucun animal, mouton, chèvre ou vache, ne doit rester près de cet endroit. Moïse taille deux nouvelles tablettes de pierre comme les premières. Il monte sur le Sinaï avec les deux tablettes. Moïse reste sur le mont Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur écrit les paroles sur les tablettes. Moïse redescend du Sinaï avec les deux tablettes de pierre sur lesquelles le Seigneur a écrit. La peau du visage de Moïse brille, mais Moïse ne le sait pas. Les Israélites viennent avec lui avec curiosité. Ils s'approchent. Moïse leur présente tous les commandements que le Seigneur lui a donnés sur le mont Sinaï. Le Seigneur dit qu'on doit fabriquer une tente sacrée pour le servir et un coffre sacré pour le mettre dans la tente sacrée. Qu'est-ce que le coffre sacré? C'est une boîte pour mettre les tablettes de pierre. Moïse et le peuple fabriquent la tente sacrée et mettent les tablettes des commandements dans le coffre sacré. Et Moïse fait entrer le coffre dans la tente sacrée. Alors le nuage de fumée vient couvrir la tente de la rencontre. La gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Quand le nuage de fumée monte au-dessus de la tente sacrée, les Israélites se mettent en route pour une nouvelle étape. Mais si le nuage ne monte pas, ils ne partent pas. Pendant leur marche vers le pays de Canaan, le nuage de la tente sacrée les guide.